était tout seul, on se promenait comme ça. Bon, et c'est la plupart du temps, enfin, quand on a visité les camps, c'était pas encore des mémoriaux. Et parce que il y a quelques années, c'était un lieu qui était complètement ouvert à tous les vents. On pouvait se balader librement. Cette liberté de rentrer, voilà, mais comme presque de geler le lieu. Le îlot, là, c'est îlot. Donc aussi une présence. Dans un monde, dans l'absence, on sent une plus présence. C'est-à-dire, hein, tout ce qui s'est passé, j'ai plusieurs personnes moi, qui m'ont déjà dit, mais on sent une présence. C'est mieux que de parler. Si on réflexionne d'abord dans ce qu'on veut, c'est ça. Mais le camp, moi, je l'ai connu dans mon enfance. Je vous dis, c'est une chose qui est permanente. Et même maintenant, où je vis à Vingo, je vois ce camp, je l'ai toujours vécu. Je l'ai visité, je me suis baladé dans ce camp, je lui ai posé oralement des questions, c'était une obsession, voilà. Des questions sur... Moi j'ai été... La guerre d'Espagne, c'est... L'Espagne est pour moi une sorte de... Mon père était proche espagnol, de deuxième patrie, et la guerre d'Espagne est pour moi le début de ma vie. Je veux dire, avoir vu ces gens vaincus, abandonner leurs armes, être enfermés dans des camps, ça m'obsède depuis cette époque-là. Et je posais des questions un peu bêtes. Qu'êtes-vous devenu? Où êtes-vous allé? Voilà, c'était des questions que mon père me demandait de résoudre aussi, vous voyez. C'était une obsession, voilà. Rivesaltes est un lieu aussi de fantasmes, voilà, des fantasmes négatifs, hein. C'est plutôt des idées, j'allais dire noires, de ce lieu. C'est aussi des souvenirs réels. Beaucoup, j'ai des souvenirs réels qui sont olfactifs, du quotidien. Matériels, il y a des trucs, c'est indélébile. C'est gravé là, ça. On peut pas oublier ça. J'avais des cauchemars hein, au début. On fait toujours des cauchemars. Ouais, ça reste toujours dans la tête, c'est vrai. Des cauchemars. Bah. À chaque fois, hop, ça revient, même en dormant. J'avais des tas de camps. Bon, mais c'était pas cette émotion comme ça. Depuis qu'on avait quitté le camp, on n'y était plus retourné. Et j'y suis retournée sur les conseils d'un ami. J'ai passé pratiquement 2 journées à errer dans le camp. Et je n'ai pas supporté, hein, ça m'a rappelé des choses trop terribles. Hein. Ah ben, c'était épouvantable hein, de revoir ça, de dire qu'il y avait des traces encore tangibles. C'était complètement... C'est indescriptible ce que ça a pu faire remonter à la surface. Parce qu'on a besoin de voir. J'avais besoin de ce silence, j'avais besoin d'être là. Je sais pas, on aurait bien un aimant qui m'attirait pour les problèmes. J'ai recherché, j'ai revisité tout mon parcours. Le camp de Gurs, le camp de Rivesaltes, tout ça, je suis retourné, je voulais voir. Je voulais que ça s'aggrave dans ma mémoire à moi. Parce que c'est le passé, c'est l'histoire, c'est ma vie. Et on pourrait rejeter, mettre une croix dessus. En mettant une croix dessus, je pense qu'on aurait... On n'aurait plus d'histoire. On a besoin de ça pour pouvoir continuer. On a besoin d'aller voir si vraiment, en fait, dans notre tête, ça doit être... Est-ce que vraiment on a existé là ?
les enfants de harkis sont extrêmement attachés à ces lieux. Parce que leurs filles démarrent par les camps en France. Et c'est des lieux qui les réunissent. Ils ont construit une histoire commune. C'est là où tout a commencé, en fait, pour elles. Il y avait vraiment deux vies. Voilà, il y avait celle d'Algérie et celle de France. Bon, celle d'Algérie, elles y ont mis une croix définitivement. Et c'est un trou noir. Et puis celle de France, voilà, commence par Rivesaltes. Tous les ans, alors en général c'est le 14 juillet, ils font un immense pique-nique dans le lieu qui est rasé. Il n'y a plus rien à Saint-Maurice-l'Ardoise, contrairement à Rivesaltes. Mais il y a un endroit où les descendants, c'est surtout les descendants, ceux qui ont encore des parents, qui ont la chance d'avoir les parents, ils les embarquent avec eux, ils embarquent les enfants, enfin voilà, c'est très joyeux. Hein. Chacun apporte son panier et voilà, ils sont là, ils se racontent des histoires. Et à la limite, tout ça, ça peut même rendre beau le lieu. C'est vraiment des lieux fondateurs de ces familles de harkis. C'est presque sacré, en fait. Il y a quelque chose du sacré pour Rivesaltes. Rivesaltes est quasiment dans leur peau. C'est un pèlerinage. Parce qu'ils ont été coupés d'endroits où ils peuvent l'exprimer, cette émotion. Ils ne vont pas l'exprimer en Algérie parce que beaucoup n'y retournent pas. Alors que Rivesaltes, en fait, au final, les baraquements sont en ruine. Il y a des baraques qui sont à terre, les pierres sont à terre. Mais le lieu, il existe. Il n'a pas été fondamentalement changé. Donc il reste une part d'eux-mêmes là-dedans. Même aujourd'hui, on n'est pas revenu complètement des camps. Une partie de nous est restée dans ces camps. Pas à la résurrection du corps et tout ça, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, ça n'existe pas ça chez les juifs. Mais la permanence du monde, elle est dans le souvenir qu'on a des uns ou des autres. Rien n'est perdu quand même. Et en gros, tant qu'il y aura des êtres humains vivants, tous ceux qui étaient là avant eux existeront encore. Et ta vie, elle continue après. Elle continue dans la tête des autres et... Qu'est-ce qui reste de nous ? Ce qu'il y a dans la pensée des autres. Tu vois, les gens qui vont marcher, ben, ils marcheront pour ceux qui ne marchent plus. Sans s'en rendre compte, ils les referont vivre par leur passage, en fait. Là, l'effet d'aller dans le camp quand c'est un peu l'effet de miroir, tu sais, c'est là, on ne peut pas tricher qui on est, qui l'on croit être. C'est difficile aussi, mais j'ai pas peur de ce miroir là. Il s'est passé ça, comment on en est arrivé là? Vous ferez quoi? Et là, souvent, j'ai pas honte de leur dire, mais je sais pas, je suis comme vous. Mais j'espère que le jour où si ça doit m'arriver, ben, je ne serai pas comme tous les autres. Bah comment on en arrive là, puisqu'on y arrive encore aujourd'hui, hein, que des hommes mettent d'autres hommes, d'autres humains dans ces conditions-là. Mais c'est vrai, les gens qui sont passés au centre de rétention, ils ont été privés de liberté, ils ont été enfermés contre leur gré. Je ne veux pas dire au même titre que les personnes qui sont passées dans les années 40,
Mais ça se passe. C'est quand même une à cet endroit-là. Après ces années-là, c'est quand même inadmissible. Je trouve ça proprement scandaleux. Ce pouvoir qu'ont les hommes sur d'autres hommes de les priver de liberté. Et de décider de ce qui doit leur advenir à leur place. Et ça, je ne peux pas accepter. Enferme quelqu'un parce qu'il vit ici sans papier. Mais qu'est-ce que c'est d'avoir ce morceau de papier que les hommes ont décidé qu'il était nécessaire, hein? C'est rien. Tu te rends compte? Maintenant, la liberté, ils nous la suppriment. Maintenant, le voyage n'existe plus maintenant. Il faut avoir un droit de voyage, vous vous rendez compte? Pour notre culture à nous, nous, on était dans les roulottes ou dans les caravanes, et puis aujourd'hui, je suis là, demain... Bah, c'était notre vie, nous. On n'a pas les mêmes droits. On n'a droit à rien, de toute façon. On vit à part. Les aires d'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est des camps pour moi. Ils ont jusqu'à mettre des guéris, des sentinelles, et puis allez, ça y est. Pour moi, c'est du racisme, parce qu'on est en douche. Mais il y a des siècles que ça dure. On croit qu'on n'a pas le droit d'exister. Oui, on n'existait pas. Mais on existe toujours, ça pas. Ça continue. Bah, j'avais comme un pressentiment que rien ne changerait. Ça, c'est la vie. On sera debout, hein.